Salut tout le monde, c'est Bella 93, mais j'espère que vous allez bien. On va jouer aujourd'hui à Resident Evil 3 partie 8. La dernière fois, on est venu ici pour récupérer la clé du cadenas. Voilà, et là on va y aller. On a vaincu aussi, vous savez, de gros mecs. Ah, c'est dégueulasse. Pas beaucoup manqué, toi. Hein. Attends, tu sais quoi? Alors, où je suis? Attendez ce bruit. What the? Bonjour Charlie. D'accord. Ah, c'est à cause de la figurine, peut-être. Ah bah c'est génial. Il y a un truc. Un compte de courrier des lecteurs. Cher rédacteur. Non, excusez-moi. Chère rédaction, je vous écris car je suis inquiet, très inquiet. Tout parent sait que Crystal Promenade est le meilleur endroit où amener ses enfants le samedi. Et il n'y a pas de, ma de magasin plus populaire à part tous nos portefeuilles que Toy Uncle. Cependant, j'ai remarqué que les jours de vent. L'immense tête au-dessus du magasin oxyde dangereusement. Dangereusement. À croire qu'elle n'est retenue que par deux vies. Si jamais elle venait à tomber lors d'une journée d'influence, je n'imaginais le drame qui pourrait survenir. Je me suis déjà plaint 3 jours, non, 3 fois auprès du gérant. Mais ça n'a pas l'air de le préoccuper. Doit-on attendre qu'il y ait des victimes pour que quelqu'un réagisse? Si des têtes doivent tomber, autant que ce soit celle du gérant. J'espère que quelque chose sera fait. Tommy Wiz 69. Je sais pas ce qui m'arrive depuis là, j'arrive plus à parler là. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il n'y a pas de raison, mais. Pas de danger, ma belle. On a ma pension, donc ça va. Ben c'est parti, on va. Ouais.
tu déconnes. Et la vie. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, dégage. Non, mais c'est abusé, hein. Il est toujours vivant, lui. Dégage. Oh! Je crois qu'on avait vaincu, celui-là. Oh, oh. Qu'est-ce que ça me met? J'ai encore cette saloperie à mes trousses. Attends, tu déconnes. Je croyais que tu C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Je crois qu'il était mort. Je dis ah super, on va plus jamais te revoir. Et c'est quand tu dis ça qu'il revient à charge. Oh non mais c'est quoi cette bêtise? Oh putain. Ah peut-être je revenais ici. Ah, j'ai pas pris les bombes. Ah, oh, c'est deg. Ah, oh, j'ai pas pris les bombes. Bon, ça, on s'en fout, on va passer. Ah, j'ai pas pris les bombes grenades. Je crois que c'était ça le gars. De... Et tu pas ça où là? Hein? On a dit frère, on va tuer ce... Et on s'en fout. Oh là là. On va la pointer encore dans toi, c'est ça? Non mais c'est des... C'est quoi ces conneries là? Comment ça se fait que lui il est toujours vivant? Jill, tu m'entends? Je crois que je sais comment ralentir cette enfoirée. Ah ouais? Allez, reviens vers la station. On l'a tiré vers vous? T'inquiète, fais-moi confiance. Oh. Oh non! Ah ah ah! Mais c'est quoi cette connerie? Oh là là! Oh non!
Oh, te plaît, non. J'ai des conneries. Je vais déconner. En fait, je dois pas être dans le feu. Oh là là. Oh, c'est pas grave. Et documents. Ouais, super. Ah mince. Ah, j'ai mis mon avion. Ah. En fait, le wifi est connecté. Le fait de ma PS4 est connecté à mon téléphone et sans faire exprès, j'ai mis en mode wifi. Quelle gourde! Attendez, là, attendez 2 minutes. Ça, c'est bien connecté. Ouais, je sais, je sais. C'est bon, pas besoin de me dire. Alors. Voilà la grosse tête qui va tomber. Ah, oh putain, vite, vite, vite. Oh bon, ça va. Attends, je suis en danger. Est-ce que je suis en danger? Je m'en fous en intention. Ah, ma mère! Oh, super! Mais viens m'aider, toi! Où tu t'en fous? Oh merde! Oh merde, oh merde! Ah, ça sert à rien. Et t'as attention un truc. Allez, allez, on se tire d'ici. Là mais what? Avec du métro. Attends, c'est moi ou c'est le mec là? Mais what? C'est quoi ce délire à lui? Ah, il va pas me lâcher, hein. C'est un mort-vivant. C'est pas possible. Je sais que j'ai pas été très sympa avec toi, mais merci de m'avoir sauvé. Hey, tu m'as sauvé en premier. T'es bien plus courageuse que moi. Tu m'étonnes. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir évacuer tout le monde maintenant. Ouais, tu seras hors de danger. Et toi? D'après ce que j'ai compris. Je suis pas du voyage. Pourquoi? Et pourquoi? On a de nouveaux ordres. Ah. Oh. Enfin, si c'est pour aider la ville, moi, je suis pas contre. Après, c'est où déjà? On peut pas être. Alors. Bon travail! Et à la hauteur de ta réputation. Allez, mange, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Barr. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein? T'en fais pas, une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Ah, si tu le dis. Tu m'étonnes. Il faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends.
La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Tu crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie? Rassure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Pourquoi? Tu es inquiet pour tes coéquipiers? Ou pour autre chose? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peloton par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non? Mauvais signe. Encore lui? Mais what? Cet enfoiré peut encore être vivant! Non, c'est trop tard! Vite, par ici! Oh, c'est putain! Mais what? Nicolas, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui le cherche. Oh, le salaud! Ah, c'est vrai, faut le dire. Oh, t'as une sale gueule, toi. Casse-toi de mon train, sale pourriture. Oh. Ah, il va tomber. Oh là là. Changer d'air. Pourquoi tu dis ça, toi? Comme trophée. Vous avez vu le truc? Non mais ce truc qui est imbattable. Oh, ils ont créé un monstre horrible quoi, c'est pas possible. Oh, c'est affreux. Ah. Oh, on est. Alors qu'il est, le métro doit déjà être loin de la ville. Avec ta nouvelle conquête. C'est ce que tu crois. Non, c'est pas ce que tu crois. Elle est pas comme les autres. Qu'est-ce qui va se passer? On va intégrer Carlos? Bon. Redescends sur Terre, Roméo. On est au commissariat. T'es sûr? Moi, je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. Tu m'étonnes. Bon, bah, c'est mieux que monsieur Cella avec le chat, Carlos. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!